Bon, c'est une visite de courtoisie et une visite de découverte également. J'avais promis, pas à mon neveu, mais à mon jeune frère, au talentueux Zégué, que j'allais venir. C'est vrai qu'il y a eu des contretemps, mais aujourd'hui, j'ai tenu à venir voir ce qui se passe ici et à l'encourager, à le féliciter, car c'est de ce genre de jeunes dont le Mali a aujourd'hui besoin pour pouvoir faire avancer les choses. Et ce que j'ai vu m'a vraiment véritablement séduit et je pense qu'il est sur la bonne voie et il croit en ses rêves et je pense qu'il va pouvoir aider beaucoup de jeunes à avancer également. Bon, si je dois lui donner des conseils, je lui dirais d'avoir encore plus de passion. Parce que c'est un homme passionné, beaucoup plus de passion. Et que par la suite, on puisse voir comment pouvoir agrandir même voilà, son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, il y a énormément de jeunes qui sont là, mais il y a des centaines d'autres jeunes qui attendent de pouvoir venir. Et là, comme il ne peut pas accueillir tout le monde, qu'il puisse avoir des locaux encore plus grands et pouvoir encadrer beaucoup plus de jeunes au service du Mali. Et si j'ajouterais juste un dernier mot, je dirais simplement qu'aujourd'hui, la jeunesse doit croire en ses propres capacités. Ça, c'est extrêmement important. J'ai vu Zégué évoluer depuis qu'il était à l'école. Et aujourd'hui, s'il est devenu ce qu'il est, c'est parce qu'il a bâti cela depuis très longtemps. Et quand on croit en ses capacités, on doit pouvoir trouver les moyens de pouvoir les mettre en exergue. Et je demanderai à tous les jeunes de suivre cette voie afin que le Mali puisse rayonner au firmament des pays africains. Sentiment d'honneur, de fierté, revigoré et davantage requinqué. Monsieur Salif Sanogo, tonton Salif Sanogo, fait partie de ces personnalités qui m'ont toujours inspiré dès le bas âge. Je me souviens, depuis que j'étais en classe de deuxième année au primaire, tonton Salif m'a inspiré par sa manière d'exercer le journalisme, par sa grande culture générale, par sa soif du savoir, mais surtout sa polyvalence. Quand il vous parle d'économie, vous croirez que c'est quelqu'un qui a un doctorat en économie. Quand il vous parle de technologie, vous allez croire que c'est quelqu'un qui est un ingénieur. Quand il vous parle également de culture, vous allez peut-être croire que voilà, il a suivi des cours d'initiation auprès de Donzo, un homme très cultivé. Et il est aussi à la base d'une émission qui s'appelle Cybernétique, qui passe au niveau de l'ORTM, et qui a inspiré au-delà de moi beaucoup de jeunes maliens à s'intéresser davantage à tout ce qui est informatique, à avoir la passion des nouvelles technologies jusqu'à choisir des filières d'études, des spécialités et devenir en tout cas des spécialistes de ces différents domaines-là. Il faut être très sérieux, très appliqué dans ce qu'on fait. Les Bambara disent que quand on est jeune et qu'on écrit son présent au brouillon, on risque de ramasser son avenir à la poubelle. Mais quand on est jeune et que malgré ce jeune âge, on s'applique, on reste déterminé, objectif, discipliné, c'est sûr et certain que dans l'avenir, vraiment, on aura beaucoup de choses en termes de réussite durable pour nous-mêmes. Il faut chaque fois que, quand on veut poser un acte, quand on veut poser des actions, au-delà de nous-mêmes, que nous pensions à notre famille, parce que chacun est avant tout ambassadeur de sa famille, en dehors de la famille. Et également qu'on sache que l'avenir n'est pas un jeu de hasard et que nous devons réussir dans la dignité, dans l'honneur et surtout dans la patience. C'est ce que tonton Salif nous conseille toujours, d'être patient, mais surtout de faire les choses de façon très bien et juste.